Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Alors voici le psaume 1. Ça n'est pas un hasard si ce poème a été placé en tête du livre des psaumes. En réalité, il se présente comme une introduction à l'ensemble de ce fabuleux corpus. Il en justifie l'existence, il en donne la raison d'être, il en résume le message fondamental, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, regardons le premier verset. Heureux. Le premier mot du premier psaume de la Bible annonce d'emblée la couleur. Dieu nous invite au bonheur. Mieux encore, il en donne la clé. Cette clé présente deux faces. Sur la première, le rejet du mal. Sur la seconde, le plaisir divin. C'est ce que nous allons voir. Le rejet du mal, premièrement, est exprimé ici au premier verset par trois négations. Ne prends pas, ne s'arrête pas et ne s'assied pas. Alors, en réalité, les trois verbes hébreux utilisés ici sont « ne marche pas »,« ne se lève pas » et « ne s'assied pas ». Nous avons ici trois postures majeures exprimées en creux, marcher, être debout, être assis, qui représentent au fond l'ensemble de notre vie, de nos activités, de nos rapports. Ces trois verbes sont dotés de trois compléments qui sont eux aussi parallèles entre eux. Les méchants, d'une part, les pécheurs, d'autre part, et enfin, les moqueurs. Alors attention, il ne s'agit pas de rejeter ces individus en eux-mêmes, mais plutôt de dénoncer leurs méfaits et de ne pas les imiter. Et ceci est souligné par l'emploi de trois termes, là encore, parallèles, parti, chemin et banc. Voici donc le premier élément du bonheur, se dépourvoir de toute forme de mal. Ces termes négatifs sont contrastés au verset 2 par le plaisir auquel l'homme est encouragé, l'homme qui se plaît à la loi du Seigneur. Et ça, c'est la deuxième face de cette clé du bonheur. Un mot important apparaît à deux reprises dans ce verset, la loi. Il se plaît à la loi du Seigneur, il récite sa loi jour et nuit. Le mot « loi » ici en hébreu, c'est le mot « Torah », la fameuse Torah, qui signifie littéralement l'enseignement. Parce que c'est vrai que « loi », disons, c'est pas très très agréable comme terme. Mais le mot « Torah » lui-même signifie l'instruction, l'enseignement. Quand on parle de la loi du Seigneur, on parle en fait de ce qu'il nous enseigne, de sa révélation. Et cette loi, cette Torah, doit être récitée jour et nuit. Alors, réciter suppose connaître, bien sûr, apprendre également, et enfin transmettre. On voit donc se dessiner ici une volonté de rassembler et de transmettre des écritures, la Torah, peut-être le psautier, habilement introduit ici, peut-être aussi le Pentateuque, puisqu'on l'appelle ailleurs la Torah de Moïse, et peut-être enfin l'ensemble des livres saints qui seront plus tard rassemblés et appelés Bible. Nous voyons donc ces deux éléments de la clé du bonheur, rejeter le mal d'une part, prendre plaisir à l'écoute de Dieu d'autre part. Le verset suivant dépeint ce bonheur à l'aide d'une métaphore agricole. On y découvre un arbre. Que nous dit-on sur cet arbre? On nous dit qu'il est planté près des ruisseaux, qu'il donne du fruit en sa saison et que son feuillage ne se flétrit pas. Voilà qui lui permet de réussir tout ce qu'il fait. Alors, on voit ces trois caractéristiques, la terre fertile, le fruit abondant, le feuillage éclatant, qui font peut-être écho
aux trois postures mentionnées au verset premier. Ces trois caractéristiques décrivent un épanouissement total. Celui-ci tranche avec la balle mentionnée au verset 4 et qui est en opposition avec l'arbre. La balle est légère, sèche, inutile. Tout le contraire de l'arbre solidement enraciné, irrigué et fructueux. La balle est emportée par le vent lorsqu'on jette bien haut le blé afin de n'en conserver que le grain. Il s'agit là du sort réservé aux méchants et qui est explicité au verset 5. Tout comme la balle est séparée du grain de blé et emportée par le vent, de la même manière, les méchants et les pécheurs seront séparés des justes. Voyez, lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Cette opposition fondamentale entre impie et juste est réitérée au dernier verset, le verset 6, qui oppose de nouveau le chemin des justes avec le chemin des méchants. Le dernier verset emploie le même terme que le verset précédent, mais également le même terme que ce qui était utilisé dès le premier verset. Et donc, on retrouve ce qui est énoncé au premier verset. La boucle est bouclée, le poème achevé. Le lecteur peut à présent poursuivre son chemin à travers les psaumes pour y découvrir la voie des justes et le plaisir de l'enseignement de Dieu. Ces deux éléments, emprunter la voie de la justice et prendre plaisir à l'écoute de Dieu, sont les deux faces d'une même clé, celle du bonheur. Thank you.